dire l'histoire, mais je sais pas, le caractère. Une fille qui se trompe toujours. Sans blague. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je vous aime. Ah là là, allez, allez, hein. Si, Angela. J'ai pas dormi cette nuit. J'ai découvert ça. Tout seul? Évidemment. Non, c'est pas vrai. Ça vous ennuie? Quoi? Que ça ne soit pas vrai? Oui. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai. Je me trompe toujours. Oui, mais c'est impossible à savoir. Si par exemple, dis un mensonge. Il pleut. Maintenant, la vérité. Il y a du soleil. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a pas de différence sur ton visage. Et alors? On devrait en voir une, puisque la vérité est différente du mensonge. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a qu'à le savoir. Toi, tu le sais. Mais les autres ne sont pas obligés de te croire. Et c'est dommage. Parce que comme ça, c'est chacun pour soi. Oh, on se débrouille toujours. Oui, justement. C'est triste. Pourquoi vous croyez pas que je vous aime? Parce que je voudrais en être sûre. Moi aussi. Tu n'es même pas sûre, Alfred? De moi, si, mais de vous, pas. Alors, ça va? Non, ça va pas. Mais si, parce que moi, ça n'a pas d'importance, si je t'aime ou pas. Ayez pitié de deux pauvres aveugles! Oh, non, pas moi. Oh, pardon. Avec ses lunettes noires, on n'y voit rien du tout. Allez, ciao. 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 Qui sait s'il les a jamais vus? On était indicateurs ensemble il y a 2 ans. Celui qui a un manteau bleu, c'est Albert. Je l'aime bien. L'année dernière, il avait inventé un truc génial. Il écrivait à toutes les femmes enceintes du quartier en leur disant « Envoyez-moi 1 000 francs et je vous dis si c'est une fille ou un garçon. Si c'est faux, je vous rembourse. » Une fois sur deux, il avait raison, évidemment. C'est génial parce que c'est vraiment la combi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Non, il n'y avait rien de malhonnête. Une fois sur deux, c'était faux. Alors, il remboursait. Ça ne fait rien, quand même. En tout cas, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est d'être avec un type et de penser à un autre. Et moi, je trouve quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Monsieur Alfred. Je sais très bien ce que je dis. Vous pensez à Émile? Justement pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous soyez sûr que je vous aime? T'as une pièce de 20 francs? Vous voulez que je mette un disque? Oui. Ok. Qu'est-ce que je mets? Itsy Bitsy? Non, Charles. Aznavour? Mmh. Oui. Regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est?